de la politique à présent. Élu sous la bannière de candidat indépendant, le député Sicky Blomblaise a décidé d'adhérer au RDR, le Rassemblement des Républicains. Le nouveau militant du RDR veut, à travers cette adhésion, apporter son soutien au président de la République dans la mise en œuvre de son programme de gouvernance. Abou Sanogo. Annoncé il y a quelques semaines, le projet de volontariat sud-antin passe à la phase active. Le lancement du projet a eu lieu à l'université de Cocody. La présidente de l'université de Cocody, Bakayoko Liramata, a invité les étudiants à faire de ce projet un véritable succès, car il contribuera à l'embellissement de leur cadre de vie et de travail, mais également renforcera la réconciliation entre étudiants, entre ceux-ci et leurs formateurs, et enfin avec la nation ivoirienne. Beaucoup de personnes pensent que l'étudiant il est violent. Je veux montrer à ces personnes-là que l'étudiant a changé aujourd'hui et que l'étudiant est devenu citoyen. L'étudiant a le charisme, a un cœur de quelqu'un qui cherche, qui veut apprendre et qui espère bâtir quelque chose de beau, quelque chose de vrai avec ce qu'il est et ce qu'il veut apprendre. Il accepte toujours de recevoir de ses leaders et c'est une bonne image. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Ibrahima, a présenté sa vision qui est de donner un départ nouveau aux universités publiques de Côte d'Ivoire, ce qui passe par la création d'un cadre de vie et d'études propices à la formation des étudiants et idéal pour les enseignants et les administrateurs. Il s'agit donc de changer de paradigme et de se départir de l'image de l'étudiant destructeur qui est incompatible avec les efforts fournis par le gouvernement. L'université doit devenir un lieu d'apprentissage et de civilité. Les étudiants doivent connaître leur rôle dans la vie des universités et faire leur les valeurs de notre devise nationale, union, discipline, travail. Le projet de volontariat étudiantin va durer 4 mois et sera mis en œuvre à 400 étudiants. Il vise à donner fin à lui aux universités de Cocody et de Bobo-Dioulasso. Il est financé à hauteur de 65 millions de francs CFA.